الله دستوري كتاب الله دستوري وخير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله رب العالمين. Bienvenue très chers frères et sœurs à la foi. Nous louons Allah subhanahu wa ta'ala. Nous le glorifions, nous cherchons refuge auprès de lui contre le mal de nos âmes et de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer. Celui qu'il égare, personne ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a de Dieu qui mérite d'être adoré, excepté lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'atteste que Muhammad alayhi salatu wa salam est son serviteur et son envoyé. Donc, bienvenue, très chers frères et sœurs à la foi, dans notre lecture du livre Sharhu Kalimatu At-Tawhid, l'explication de la parole de l'unicité du Cheikh Al-Fawzan, qu'Allah le préserve. Au coup précédent, nous avons vu le troisième point que le Cheikh a mentionné, qu'il ne s'agit pas simplement de prononcer la ilaha illallah tout en ignorant ce que cela signifie. Et il nous a dit que pour que le musulman, pour que la musulmane puisse concrétiser, puisse dire réellement qu'il est musulman, il faudrait que dans son attestation, il réunisse trois conditions. D'abord, avant même de prononcer la parole de la ilaha illallah, il doit être convaincu de quoi? De cette parole. Donc, or, pour être convaincu de quelque chose, il faut que tu connaisses d'abord ce que cela signifie. C'est après cela, tu pourras la prononcer sur base d'une connaissance, sur base d'une conviction, et par la suite, la mettre en pratique. Quand on dit la mettre en pratique, ça dit mettre ses implications en pratique. Ce que là, il a te demande de faire, tu fais cela. Ce que là, il a t'interdit, tu te gardes de cela. Et le cheikh a dit, celui qui a concrétisé la ilaha illallah, il ne se verra pas en train d'adorer une tombe, parce qu'il y a un saint qui est à l'intérieur. Que même ce saint soit le prophète Mohammed, du moment où il est dans la tombe, du moment où il est mort, il ne peut ni te profiter, ni te faire du tort, comme nous l'enseigne Allah SWT dans le Coran. Il dit, est-ce que ces morts-là peuvent se profiter ou même vous profiter? Est-ce que ces saints qui sont morts-là, que vous adorez, qui sont dans la tombe, ils peuvent se faire du tort ou même vous-même vous causer du tort? S'ils pouvaient se profiter, ils allaient retourner auprès de leur famille. Ils allaient retourner dans leur communauté. Mais comme ils peuvent se profiter, c'est pourquoi ils se trouvent sous la terre. Pour montrer que c'est les êtres humains. Ils ont un début, ils ont une fin. Mais Allah n'a pas de début, n'a pas de fin. Donc c'est lui qui met l'adoration. Donc le cheikh, il dit, celui qui a concrétisé là, il est là, ne doit pas se comporter ainsi. Et dans cette même, dans le troisième point aussi, le cheikh, il nous a montré l'existence d'un groupe qu'on appelle les Murjites, les Murji'a. Eux là, leur croyance est que celui qui dit la ilaha illallah, du moment où il a déjà prononcé, peu importe ce qu'il va poser comme action, si c'est bon, il n'y a pas de problème. Même si c'est mal, ce dernier là, il fait partie des habitants du paradis. Et ces personnes, ils se basent sur un verset, un hadith qui a une portée générale. Alors que Mohammed, il a d'autres hadiths dans le même, sur le même sujet, qui ont une portée spécifique, où il a lié l'attestation de foi aux actions.
Pour eux, quand tu dis là et là, tu as eu foi en Allah, tu as rentré dans l'islam, ta mauvaise action n'impacte pas la foi. Or, Rasoul nous dit dans un hadith, il dit, la foi augmente avec l'obéissance et diminue avec la désobéissance. Et ces personnes-là, qui délaissent tous ces versets du Coran, des hadiths, ils s'attachent à ce qui les arrange, ou encore à ce qui est ambigu. Et le cheikh, il dit qu'Allah nous dit dans le Coran que c'est le propre même des égarés de se comporter ainsi. Et il a envoyé le verset où son gars dit, والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهة فأما الذين في قلوبهم غير فيتبعون ما تشابه منه. Il dit, ceux qui ont une maladie, ceux qui sont égarés, eux, ils préfèrent suivre les versets qui sont ambigus, afin d'égarer les gens, ou afin de les interpréter à leur manière. Donc, le musulman, il doit pas être comme ça. Il doit se maintenir encore de la bonne compréhension et nous faciliter la mise en pratique. Donc, le cheikh, il poursuit toujours son explication du troisième point. Il dit, il faut prendre le Coran dans sa totalité. Et nous pouvons dire la même chose pour la Sunna et les paroles des savants. Il ne faut pas prendre une parole d'un savant toute seule, mais il faut la confronter à ses autres paroles. Pour cela, il faut fouiller dans ses ouvrages pour retrouver tout ce qu'il a évoqué sur le sujet. Ce qui permet de relativiser son discours quand il s'agit bien sûr des auteurs fidèles au Coran et à la Sunna. Il faut donc ramener ces propos qui ont un sens général ou absolu à ceux qui ont un sens particulier ou relatif. Donc, dans ce paragraphe, le cheikh nous dit que le musulman, s'il doit prendre un argument dans le Coran sur un sujet, il doit consulter le Coran dans sa totalité. Ou alors, on parle du sujet en question et ensuite de cela, maintenant, il doit en déduire quelque chose. Pareil pour les hadiths du Prophète sallam. Quand tu prends un argument dans les hadiths, les sunan, il faut fouiller les hadiths sur le sujet en question dans sa totalité et en déduire quelque chose. Il dit pareil aussi pour les auteurs qui sont fidèles au Coran et à la Sunna. Il ne faut pas prendre un de leurs discours pour les juger. Plutôt, il faut parcourir tous leurs ouvrages afin de pouvoir en tirer quelque chose. Et bien, en faisant cela nous permet de relativiser son discours, de comprendre où il veut en venir quand il s'agit bien sûr des auteurs fidèles au Coran et à la Sunna. Donc, il faut donc ramener ces propos qui sont qu'un sens général ou absolu à ceux qui ont un sens particulier. Donc, le cheikh il poursuit pour dire, l'étudiant en sciences religieuses doit toujours suivre cette démarche et doit se méfier de celles des égarés qui prennent uniquement les thèses qui les arrangent, tout en mettant de côté ceux du Coran et de la Sunna et des paroles des savants qui ne vont pas dans leur sens. Malheureusement, il coupe certains passages sans les utiliser en entier. Il cache ainsi la partie qui explique les intentions de l'auteur. Ils savent aussi puiser les passages ambigus et fermer l'œil sur les passages qui pourtant sont clairs. Beaucoup de ceux qui revendiquent avoir la science négligent la chose, soit dans l'intention d'égarer les autres, soit tout simplement par ignorance. Il est donc important pour l'étudiant de connaître ces choses et d'en faire une règle et un principe à respecter. Donc, dans ce dernier paragraphe du troisième point, le cheikh, il donne un conseil à nous tous, à ceux qui sont dans la quête du savoir religieux, de ne pas prendre une partie ou bien une phrase des auteurs pour en faire un jugement. Mais il faut parcourir
le livre de l'auteur en question, qui d'abord doit être un auteur qui est fidèle au Coran et la Sunna, pas les auteurs qui sont égarés. Les auteurs qui prennent du Coran et de la Sunna ce qui les arrange afin d'égarer les gens ou simplement par ignorance. Mais les savants qui font l'effort d'être conformes au Coran et la Sunna, quand tu lis leur ouvrage, il ne faut pas te précipiter pour porter un jugement, mais il faut lire tout l'ouvrage et à la suite de cela, tu pourras comprendre ce qui n'était pas clair pour toi si tu as pris la peine de lire tout son ouvrage. Il dit, mais malheureusement, aujourd'hui, beaucoup coupent, prennent un passage du livre et portent un jugement sur l'auteur en fonction de cela. En faisant cela, nous portons une injustice sur l'auteur. Nous portons une injustice sur l'auteur. Et parce que si tu n'as pas pris la peine de lire tout son ouvrage, tu ne pourras pas comprendre où voulait en venir en tenant ce propos-là dans la phrase en question. Mais malheureusement, si ça, ce phénomène-là aujourd'hui et c'est récurrent parmi les frères, on prend une minute d'une conférence et on met ça sur les réseaux et on prend ça comme sujet de critique sur l'auteur ou sur le frère en question qui a tenu toute une conférence. Peut-être que c'était une erreur de sa part. À la suite de la conférence, soit il a été interpellé par ceux qui sont autour de lui, ou soit il s'est rappelé qu'il a fait une erreur et il a rectifié. Mais puisque tu n'as pas la peine d'écouter tout le coup, alors tu lui portes préjudice. Hein? Tu fais preuve d'injustice envers ce frère ou envers cet auteur. Donc, le cheikh dit, l'étudiant ancien doit faire de cela une base. C'est-à-dire, prendre le Coran en intégralité concernant un sujet bien précis, prendre les versets du Coran qui traitent de ce sujet-là, particulièrement tous les versets, et à la suite de cela, tirer une conclusion et prendre les versets et les hadiths qui traitent d'un sujet en intégralité, à la suite de cela, tirer une conclusion. Pareil pour les ouvrages des auteurs. On demande à ce moment-là de nous accorder la bonne compréhension et de nous guider sur le droit chemin. Donc, dans le cours prochain, inchallah, nous verrons le quatrième point. Le cheikh, ils disent que les hypocrites, ils disent bien la parole d'Allah, il est d'Allah, mais cela ne va pas les empêcher d'être en dessous des mécréants dans le feu de l'enfer, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Inna al-munafiqina fi d-darki al-asfali min an-nar. On demande ce matin de la bonne compréhension et concrétiser en nous la parole d'Allah et de l'Allah et de nous faciliter la mise en pratique. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayk. Salli subhana rabbika rabbil izzati masifun wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.